Monsieur Maury. Demain, je vous prie pour Madame Cadoret. Bon, ça fait juste, hein, oh. Ah, bah, écoute. Du coup, tu vas rester avec Marc pour l'aider au deuxième hangar, hein. Ouais, ben, je viens quand même, mais je veux pas perdre mon temps du terroir, moi, hein. Oh, Fofard, tu viens avec moi bouger les palettes. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Pour accrocher un petit miroir. Tiens, enfile ça. Et au boulot, hein. Et si je refuse? Les TIG sont une alternative à un emprisonnement de 3 mois avec sursis. Je vous conseille donc à l'avenir d'acquérir un comportement plus avisé. Quoi à l'heure demain? Voilà. Et tu descends ta meule gentiment là, comme avec une femme, hein? Laisse tomber. Voilà. Je peux essayer moi? Non. Tu vois? Voilà. On redescend là. On redescend le bras doucement. Et tu peux y aller si tu veux, hein? On reste ensemble tous les deux. Voilà. Je remets. Bien sûr. Tu vois? Vous pouvez nous dire avec qui vous étiez? Maillez-vous! Qu'est-ce que tu fous? Fouille-toi! J'étais seule. Bah, t'es encore ici, toi? Ça fait longtemps que vous prenez des apprentis? Bah, ça fait longtemps. Assez, ouais. Et vous en prenez combien environ? Tant qu'on peut. Vous pensez que je peux postuler? Postuler, c'est pas un problème, hein? Mais c'est pas sûr que tu sois prise, hein. On n'aime pas beaucoup les voleuses par ici. Prends le fric, là, grouille-toi! Mademoiselle Billy Delorme, je vous condamne à 105 heures de travaux d'intérêt général. Pouvez-nous dire avec qui vous étiez lors du délit? Billy? Ouais? Tu peux venir me remplacer, s'il te plaît? Ouais, mais je... Regarde, je t'explique. Viens voir. Tu prends le pied à coulisse, là. Comme ça, tu mesures, ok. Après, tu vérifies par rapport au chiffre du fournisseur, ok? Ouais. Et après, tu références. D'accord? Ok. Tiens, merci. À toute. Vincent, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le mélèze soit putrescible? Alors quand on le débite, il faut enlever le lobier. Et c'est suffisant? Ouais, parce qu'on enlève la main en bonne partie, quoi. Rien d'autre? Non. Faut respecter la période d'abattage. Mais comment tu le sais, toi? Vous l'avez dit hier. Bon. Du pain maritime. Qu'on reconnaît à sa couleur. Jaune très clair avec un côté brillant à la lumière. Il fonce avec le temps et je sais qu'il y en a dans la région. C'est celui-là? C'est du peuplier. Explique. C'est un bois gris perle, presque blanc. Il est dur. Et ses veines sont très marquées entre le cœur et l'aubier. Mais d'où tu sais ça, toi? Ouais, c'est bon! Je te fous, et après tu me mettras sur la palette!
qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ton jour de repos? C'est. J'aime bien venir ici. J'ai postulé au fait. Ah, oh, c'est bien. Vous me prendriez en apprenti? Si t'es prise. Mais crevette comme t'es, bon courage, hein. Vous voulez que j'aille chercher le matos? Non, je préfère attendre Vincent. Toi, on peut préparer maintenant, comme ça on commence plus vite. Non, je te dis, je préfère attendre Vincent, pour t'aider à porter et à installer correctement. Vous avez un problème avec moi, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Vous vous servez de moi comme si j'étais votre larbin. Y a pas une seule chose que Vincent fait que je sais pas faire. Je privilégie l'apprentissage de Vincent, c'est tout. Et moi, je dois regarder comme une potiche. Je suis pas là pour ça, putain. Si, justement, t'es là pour ça, pour faire ce que je te demande. Pas plus, pas moins. Il fallait y penser à deux fois avant d'aller voler tes conneries, là. C'est pour ça que j'ai pas le droit d'apprendre avec Vincent. J'ai pas le droit d'affûter, que je peux pas aller dans la réserve. Tu te calmes maintenant, Billy, hein? Si t'en es là, c'est pas de ma faute. Ah, vous en faites pas. Je vais pas vous faire chier plus longtemps. Je vais retourner au tri avec Marc. Comme ça, vous allez pas vous continuer la délinquance de service. Eh ben c'est ça, casse-toi. Alors, comment s'est passé votre séjour à la série Gauthier? Ils vous ont pas fait un rapport? Si. Mais j'aimerais entendre vos impressions. Génial. C'est tout? J'ai une lettre ici. Vous voulez que je la lise? C'est pas la peine. Prenez-la, elle vous sera utile. C'est une recommandation.